Ok, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup aux organisateurs de l'AFRAVI de m'inviter à présenter ces premiers résultats de l'étude EMA-CC. Et puis, je vais bâtir sur les présentations préalables qui ont justement permis de dresser un panorama très complet de la question du cancer du col et de l'HPV dans les pays du Sud. Alors, ma présentation va se focaliser plus sur le dépistage des lésions précancéreuses par test HPV chez les femmes vivant avec le VIH dans ces contextes-là. Et juste, donc, je resitue rapidement donc l'appel de l'OMS récent pour éliminer le cancer du col comme problème de santé publique. Et un des grands axes de cet appel, c'est le dépistage des lésions précancéreuses. Voilà. Et en particulier, les tests HPV, et ça on l'a déjà beaucoup dit depuis ce matin, occupent une place centrale dans cette stratégie en raison de leur sensibilité élevée, hein, c'est-à-dire qu'ils permettent d'identifier avec une bonne fiabilité les femmes qui ont des lésions précancéreuses et leur valeur prédictive négative élevée, c'est-à-dire que chez une femme qui a un test négatif, on peut affirmer avec une très forte probabilité qu'elle n'a pas de lésion. Voilà. Donc ça permet d'espacer aussi les dépistages. Le problème, en fait, c'est que les tests HPV, l'infection par l'HPV est extrêmement courante, en particulier au début de la vie sexuelle. Elle est généralement éliminée rapidement. Et ce qui compte dans la survenue du cancer, c'est la persistance du virus au cours de dizaines d'années. Donc, il y a les tests HPV, et ça a été bien dit aussi, ont beaucoup de faux positifs par rapport au dépistage du cancer du col, ce qui implique à la fois des traitements inutiles et des conséquences psychosociales parfois fortes, avec stigmatisation, voire rejet par la société dans des cas un peu extrêmes. Donc la question, en fait, pour la réussite de la stratégie de l'OMS, en particulier sur cet axe de dépistage, c'est comment identifier les femmes qui ont réellement besoin d'un traitement parmi celles qui sont HPV positifs. Et c'est particulièrement vrai pour les femmes vivant avec le VIH, puisque l'infection HPV est plus fréquente chez elles. Donc, l'objectif principal de l'étude EMA-CC, c'était justement, et donc le professeur Apollinaire Auroux l'a introduit gentiment, d'étudier différentes méthodes de triage après un test HPV positif pour identifier justement les femmes qu'il fallait traiter et donc un peu plus spécifique. Alors, la première méthode est bien sûr dans un contexte de ressources limitées. La première méthode reprend l'inspection visuelle qui a donc été utilisée depuis longtemps en dépistage primaire, donc après coloration par l'acide acétique et aussi par le Lugol. Alors, on n'a pas encore beaucoup de données sur l'inspection visuelle en triage, et les données qui sont disponibles, en fait, montrent des performances assez hétérogènes, avec des sensibilités là, entre 30 et 80%. Pour essayer d'améliorer à la fois la sensibilité et puis aussi la reproductibilité dans l'EMA-CC, nous avons utilisé des critères simplifiés par rapport à ceux qui sont proposés par l'EARC. Les critères ABCD qui ont été proposés par Patrick Pétinia et son équipe suisse. J'ai mis la référence en bas si vous étiez intéressé par mieux comprendre ces critères. La deuxième méthode de triage qui a déjà été mentionnée, c'est le génotypage partiel. On sait que donc l'HPV 16-18 sont particulièrement associés au cancer. En Afrique subsaharienne, on retrouve aussi l'HPV 45. Malheureusement, comme Apollinaire le disait tout à l'heure, les sensibilités, enfin en tout cas les résultats actuellement disponibles, semblent suggérer que la sensibilité n'est pas très satisfaisante pour cette méthode. Et donc la troisième méthode, en fait, essaie d'améliorer justement les deux premières en les combinant de façon séquentielle, avec donc une première étape de génotypage partiel, avec une prise en charge immédiate des femmes ayant un HPV 16, 18, 45, et puis pour les autres, avec un autre HPV. On propose un second test. Alors, dans un contexte à ressources élevées, c'est en général le frottis. Et dans nos contextes à ressources plus limitées, en fait, l'inspection visuelle pourrait être justement un test intéressant. Voilà, donc l'objectif, c'est d'évaluer les performances de ces trois options de triage. En particulier, je vais vous présenter sensibilité et spécificité. Juste rappeler que, en fait, ce triage s'inclut dans une stratégie globale de dépistage, avec l'auto-prélèvement que nous avons utilisé de façon assez systématique, parce que ça améliore l'acceptabilité et ça diminue aussi la charge de travail des soignants.
traitement par thermoablation, comme l'a mentionné tout à l'heure Apollinaire Auro. Et puis, on a essayé, chaque fois que c'était possible, d'avoir une approche en une fois, c'est-à-dire qu'on faisait le dépistage et le traitement de toutes les lésions éligibles sur une seule visite, de façon à limiter les pertes de vue. Donc, il s'agit d'une étude multicentrique avec donc un site en Côte d'Ivoire, au CEPREF à Yopougon, un site à l'hôpital de jour de Bobo-Dioulasso au Burkina Faso et un site au Cambodge à l'hôpital de Calmette. Donc, dans l'étude, il y a une composante transversale d'évaluation des performances des méthodes de triage avec l'histologie comme gold standard. Et puis, nous avons aussi une composante longitudinale avec un suivi prospectif des femmes traitées sur 12 mois. Voilà. Il y a une composante qualitative dont je ne vais malheureusement pas pouvoir vous parler, qui s'intéressait à la perception par les femmes et les soignants du dépistage. Et puis, on envisage, enfin, on prévoit de faire une évaluation économique d'impact budgétaire. Environ 2200 femmes ont été incluses au total. Elles étaient âgées entre 30 et 49 ans, donc avec un âge médian de 42 ans. Une durée médiane sous traitement antirétroviraux de 10 ans et des CD4 médians à la mise sous traitement autour de 200. Ça correspond aux critères à l'époque, il y a à peu près 10 ans. En termes de prévalence de l'HPV, donc la prévalence globale était de 41%. Ce qui est notable, c'est l'importante hétérogénéité entre les sites, puisque la prévalence était de 48% en Côte d'Ivoire, 21% au Cambodge. On peut remarquer qu'en fait, quand on regarde la distribution des HPV les plus oncogènes parmi les HPV positifs, les 16 et 18-45, en fait, on a beaucoup plus d'homogénéité. À peu près 2/3 des femmes HPV positives avaient des anomalies détectées à l'inspection visuelle. Et là, on retrouve encore des différences entre les sites qui sont probablement plus liées aux différences de pratique des cliniciens. Et on peut observer qu'en fait, si on se focalise sur les femmes qui avaient un génotypage partiel positif, l'hétérogénéité est moindre en raison de l'information supplémentaire apportée par ce génotypage partiel. La prévalence des lésions cervicales, donc dysplasiques de haut grade ou cancer chez les femmes HPV positifs était d'environ 12%, avec là aussi une hétérogénéité assez marquée entre les sites. Et le risque de cancer de lésions précancéreuses était négativement associé au nadir des CD4. Donc, pour rappel, les trois méthodes de triage proposées, c'est le génotypage partiel, l'inspection visuelle seule ou la combinaison génotypage partiel et inspection visuelle. Et je vais présenter donc les performances à l'aide d'une courbe ROC. En abscisse, c'est la proportion de faux positifs et en ordonnée, donc, c'est la sensibilité. Donc, comme c'est attendu, en fait, les performances du génotypage partiel étaient plutôt décevantes avec une sensibilité autour de 55%. Par contre, l'inspection visuelle seule ou combinée au génotypage avait une très bonne sensibilité à plus de 90%, mais un taux de faux positif, alors il s'agit de la sensibilité comme méthode de triage, hein, un taux de faux positif relativement élevé, autour de 55%. Je voulais juste finir pour dire un petit mot sur le post-traitement et le suivi des femmes, qui est important. Alors, les données c'est une question qui a été déjà mentionnée ce matin. C'est vrai qu'il y a pas mal d'inquiétudes autour des récurrences et de la persistance des lésions. On n'a pas encore, toutes les femmes n'ont pas fini leur suivi M12, donc ce sont que des données partielles. Mais ce qu'on voit, c'est que le traitement a un effet assez limité déjà sur l'élimination de l'HPV, puisque à M12, sur nos données disponibles, plus de la moitié des femmes sont toujours HPV positives. La deuxième chose, c'est qu'en termes donc 80% des femmes qui ont été traitées n'avaient plus de lésions à la biopsie à 12 mois, mais ça veut dire qu'il y avait toujours des lésions de haut grade chez 20% de ces femmes. Donc ça correspond un peu aux données disponibles, même s'il n'y en a pas beaucoup pour les pays du Sud. Et donc c'est des femmes qu'il va falloir suivre encore plus que 12 mois et probablement chez qui il faut envisager un nouveau traitement. Donc il y a une vraie problématique. Voilà, donc en résumé, cette étude, elle permet de confirmer l'importance de la question du cancer du col chez les femmes vivant avec le VIH.
Et puis, elle a permis de montrer que l'inspection visuelle, qu'elle soit seule ou combinée au génotypage, a une très très bonne sensibilité pour identifier les lésions précancéreuses. Elle est bien acceptée aussi. Et, alors, je n'ai pas eu le temps de mettre les chiffres, mais c'est ce que présentait Apollinaire. Plus de 90% des femmes étaient satisfaites et étaient prêtes à recommencer le dépistage. Par contre, on a une vraie interrogation sur le suivi post-traitement, sur les modalités de suivi de ces patientes et de traitement. Je vous remercie. Donc, j'ai listé un peu tous les partenaires qui nous ont vraiment soutenus dans cette recherche et sans laquelle elle n'aurait pas été possible. Merci beaucoup. On va prendre là à nouveau une toute petite question parce qu'il y a une session qui vient derrière. Allez. Bonjour. Merci beaucoup. Hein. C'est très, voilà, dans le contexte, c'est très intéressant. Alors, c'est pas une question, c'est permis parce que tant que en fait, c'est en termes de faux positifs. En fait, c'est pas du faux positif, mais il y a de l'HPV, mais en fait, c'est pas associé. C'est ça. On est d'accord, mais c'est pas associé à des lésions au moment du test. Donc c'est vrai que c'est ce que disait Jean-Luc, qu'il faut bien différencier sensibilité, spécificité clinique et analytique. C'est un manque. Voilà, là c'est en spécificité clinique que effectivement, à la limite, enfin heureusement qu'il n'y a pas toujours des lésions quand il y a un HPV. Je crois que voilà, je voulais juste faire ce point, c'est pas du faux pose de test HPV. L'HPV, il est bien là, mais il n'est pas associé à des... Voilà, merci beaucoup. On va être obligé de s'arrêter. Il y a une session qui va démarrer derrière. Merci beaucoup. On a bien vu l'intérêt. Continuez les discussions avec les intervenants au moment des pauses.